Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être une guidance intemporelle en trois choix. Je sais que vous affectionnez particulièrement ce type de vidéo, si je le sais puisque vous allez voir les autres dès qu'ils en sortent une, donc je le sais, je me suis dit que j'allais pas rester sur le bas-côté de la route et que j'allais faire la mienne aussi. Non, bien sûr, c'est pas pour ça que je fais la vidéo, vous le savez. Non, simplement, je me sentais, je sais pas, dans les énergies de vous faire une guidance. J'en avais envie, j'en avais même le besoin. Donc, c'est que certainement, il y a, je sais pas, un message, il y a quelque chose, peut-être aussi pour moi, mais aussi certainement pour vous. Car qui dit intemporel, dit que peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, que ce soit le lendemain de sa publication, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans, si vous êtes amené à la voir, c'est que certainement, il y a un message qui est pour vous à l'instant T. À ce moment-là. Donc on va utiliser plusieurs supports, je vais utiliser 4 supports pour essayer de vous faire une guidance la plus complète que possible. On va voir les messages qui vont sortir et je vais vraiment essayer de vous les retransmettre et de vous les retranscrire au mieux. Pour cela, on va d'abord utiliser l'oracle de l'harmonie de Aline Savane aux éditions Arcana Sacra. C'est un très joli oracle que je vous recommande vivement parce que c'est un oracle qui va vous permettre vraiment d'identifier certaines choses et je trouve que pour travailler, il est vraiment bien dans le sens où voilà, quand vous ne savez pas parfois, on a du mal par moment à mettre des mots sur les mots, des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et c'est difficile d'exprimer clairement ce qu'on ressent et là cet oracle va nous permettre eh bien de pouvoir identifier éventuellement un malaise, un mal-être, un mal particulier et on va pouvoir commencer à travailler ou au moins nous offrir une piste de réflexion pour travailler ce problème. On va ensuite utiliser le joracle pour l'aspect divinatoire de la guidance. Alors le joracle, il est inutile de le chercher que ce soit sur Amazon, sur Internet ou autre puisqu'il s'agit de mon jeu, c'est ma création. Il a donc été auto-édité et vous le trouverez uniquement en exclusivité sur ma boutique MPC. Donc ça, ce sera plutôt pour l'aspect divinatoire. On va voir un petit peu ce qu'on peut ressortir. Je vais également utiliser le petit oracle du tarot de Marianne Costa aux éditions Très Daniel. C'est un petit oracle que j'aime vraiment bien parce que il va combiner les deux aspects à la fois oracle et tarot. Donc on va retrouver les 78 lames du tarot mais avec le message divinatoire d'un oracle. Donc ce qui fait que pour ceux qui sont un petit peu, comment on pourrait dire, qui sont en froid avec le tarot, qui ont du mal à maîtriser le tarot, eh bien celui-ci va vraiment simplifier grandement le tarot. Et le tarot, moi je sais que j'aime beaucoup l'utiliser dans les guidances, parce que contrairement à ce qu'on croit, un tarot, pour moi en tout cas, mais pour moi, un tarot n'a pas cet esprit divinatoire. Un tarot va plus être sur l'aspect de guidance, voire d'un travail d'introspection. Hein. Par exemple, quand on sait que les 21 arcanes majeures sont en fait un voyage initiatique et que ces arcanes majeures sont en fait des archétypes de personnes ou de situations clés qu'on va rencontrer dans notre vie. Par conséquent, j'ai du mal à travailler avec le tarot pour l'aspect divinatoire. Donc moi, je le travaille plutôt pour l'aspect de guidance et de travail d'introspection. C'est vraiment, je trouve, un outil formidable. Et comme je sais que vous les aimez particulièrement, je vais aussi vous proposer les baguettes chinoises de divination. Alors celles-ci, vous me les réclamez souvent sur les vidéos. Alors sachez que cet exemplaire, je l'avais trouvé sur Amazon. C'est pas pour faire de la pub Amazon. Hein, je touche rien de Amazon, qu'on soit bien d'accord. Mais je l'avais trouvé sur une boutique Amazon, la boutique qui s'appelle La Chineuse. Elle propose des super articles que je vous invite à aller voir. Le problème, c'est que ce boîtier-là de grandes baguette n'est plus disponible à l'heure actuelle. Au moment où je vous parle, il n'y en a plus de celle-ci. Donc je sais pas, il faudra fouiner si vous cherchez, si vous voulez les trouver. Allez les amis, maintenant je vous propose eh bien de changer d'angle et on va passer tout de suite à notre guidance.
Alors, pour ne pas fausser le tirage, je ne vais pas vous préparer les trois tas à l'avance, tout simplement parce que le fait de tirer et de préparer votre tirage, il y a possiblement des cartes qui pourraient ressortir dans les différents tas. Donc du coup, je ne suis pas trop fan de préparer toujours les tas à l'avance, il vaut mieux les tirer au fur et à mesure, comme ça, s'il y a des cartes qui doivent ressortir dans un autre choix, c'est un petit peu plus objectif de faire ça. Donc pour vous aider, ce que je vais faire, je vais tirer trois runes issues des runes sorcières, hein, ce ne sont pas les runes futarques, et comme ça, en fonction de la rune tirée, vous pourrez vous diriger plutôt vers le choix numéro 1, le 2 ou le 3. Je vous mettrai bien sûr en timecode dans la description, comme ça vous pouvez vous rendre directement vers votre choix concerné. Ou si vous voulez écouter toute la guidance, c'est aussi possible, hein, vous n'êtes pas obligé de choisir qu'un seul tas, vous pouvez choisir deux tas si le cœur vous en dit, pour un sujet et puis pour un autre sujet. Vous pouvez choisir les trois si vous voulez. Si vous avez trois questions en tête ou trois sujets en tête, pourquoi pas, ou un seul, vraiment, c'est à vous de moduler cette vidéo et vos choix. Faites-le en fonction de vos besoins, tout simplement. Alors, pour le choix numéro 1, nous allons avoir la rune de l'étoile. C'est une rune qui est très intéressante puisque ici, elle pourrait nous parler d'une direction à prendre, ou peut-être que certains d'entre vous sont perdus et ont besoin d'être conduits, ont besoin d'être guidés. L'étoile vous invite aussi à lever les yeux au ciel, c'est-à-dire à prendre un petit peu conscience de ce qui est autour de vous. Très souvent, on a tendance à regarder le sol, on a tendance à regarder droit devant nous, peut-être un côté trop pragmatique, trop concret, trop ancré dans la réalité, et vous avez besoin au contraire d'avoir la tête un petit peu plus dans les étoiles. C'est d'ailleurs pour ça que cette rune vous invite à lever les yeux au ciel. Ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une forme d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide et qu'il faut demander de l'aide au ciel, à l'univers, ce en quoi vous croyez, ou peut-être des personnes qui sont plus, comment on pourrait dire, plus élevé que vous sur un plan soit, comment on pourrait dire, spirituel ou de conseil. Là, tout de suite, je pense, je sais pas pourquoi, à des psys, une assistante sociale, vous voyez, des personnes qui seraient vraiment enclins à pouvoir vous aider. Ça peut être des personnes aussi qui ont un certain pouvoir administratif et qui sont capables de pouvoir vous aider. Enfin, voilà, vraiment, la rune de l'étoile peut symboliser plein de choses, mais vraiment, ici, on est sur cette idée de direction, de route à prendre, un sentiment un petit peu d'être perdu et d'être conduit comme ça vers quelque chose, vers une destination et un but. Pour le deuxième choix, nous aurons la rune. Ah, la rune des récoltes. Ça, c'est une rune qui est très intéressante puisqu'ici, elle nous parle de récolter ce que nous avons semé. Et effectivement, au moment où j'enregistre la vidéo, on est à cheval entre Lunasa et Mabon, donc on est en plein dans cet esprit de récolte. Et peut-être que ça y est, vous êtes vous-même à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, et il est temps de récolter tout ce que vous avez planté. Peut-être que ça y est, vous arrivez à terme d'un contrat de travail. Vous arrivez à terme de quelque chose, vous avez peut-être réalisé ou concrétisé un rêve ou un projet, et par conséquent, là, vous êtes plutôt sur le côté abondance ou le côté récolte. Ça peut aussi symboliser la fin d'un cycle, quelque chose qui va se terminer. La Terre va rentrer à nouveau en sommeil durant la période de l'hiver avant de revenir, de renaître à la période du printemps. Donc peut-être ici aussi qu'on vous indique la fin d'une période, la fin d'un cycle. Et pour le troisième choix, le troisième choix, nous aurons la rune des vagues. Alors les vagues ici peuvent représenter tout ce qui est en lien avec. Non, c'est la rune de l'air, excusez-moi, c'est pas les vagues, c'est la rune de l'air. L'air du coup nous parle ici de mouvement, de nouvelles qui pourraient arriver, de choses qui vont se mettre en mouvance, des choses peut-être que vous attendez et qui vont enfin arriver. Alors attention, hein, le vent, c'est un facteur, oui, mais comme un facteur, il peut autant vous apporter des colis qu'il peut vous apporter des factures ou des lettres un peu moins cool. Donc le vent ici nous parle de changement, d'évolution, de transformation, de nouvelles qui sont apportées, mais ça peut être des nouvelles qui peuvent être positives comme moins positives aussi. Donc pour ceux qui choisiront la rune du vent, vous serez prévenus si jamais il y a des cartes négatives. Allez, on va commencer tout de suite par la première rune, à savoir la rune de l'étoile. Alors, la rune de l'étoile. Le message pour vous est la comparaison. Vous comparez-vous.
Une carte très intéressante avec un message qui devrait résonner. Puisqu'ici on nous parle de nous comparer, de vous comparer. Est-ce que vous êtes dans cet esprit de comparaison? C'est-à-dire à l'heure actuelle, est-ce que vous ne rentrez pas dans une phase un peu d'envie? Et ça colle plutôt bien avec l'étoile, puisque effectivement, si certains d'entre vous se sentent un petit peu perdus, un peu désorientés, eh bien on a besoin de nouveaux repères, on a besoin de choses qui vont nous aider à nous reconnecter. Et effectivement, l'envie peut nous aider parfois à nous reconnecter. Ça peut devenir un objectif ou un but pour nous. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que en ce moment vous êtes perdu et vous ne savez pas trop quoi faire de votre vie, peut-être parce que vous avez été licencié à cause de ce qui se passe, hein. Je vais rien dire parce que sinon je vais être censuré, mais à cause de tout ce qui se passe, peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que c'est vous qui avez démissionné. Bref, voilà, il peut y avoir plein de choses. Et puis vous avez un ami ou une amie qui vient de se lancer dans un projet professionnel, et du coup vous aussi vous dites ah ouais, et pourquoi pas, et si c'était un signe du destin ce qui est en train de m'arriver, si c'était en fait une occasion, une opportunité pour moi de changer de carrière, de changer de vie, de changer de voie. Et du coup, cette envie n'est pas malsaine dans le sens où vous allez prendre plus ou moins exemple sur votre ami en vous disant que vous aussi, vous pourriez en être capable. Et que ça pourrait être une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau. Voyez, on pourrait être dans ce type de comparaison-là. Posez-vous cette question. Vous comparez-vous? Si oui, avec qui et avec quoi? Mais une fois que vous aurez eu vos réponses, parce que c'est bien joli de dire je me compare à telle personne, à tel ami, à telle connaissance, telle relation ou telle célébrité, mais qu'est-ce que vous allez mettre en place ensuite pour avoir plus ou moins la même chose ou vous lancer sur quelque chose de similaire, d'accord? Donc c'est pas juste se dire vous comparez-vous, oui je me compare, d'accord, c'est bien, ça c'est la première étape, mais avec qui vous vous comparez ou avec quoi vous vous comparez et pourquoi vous vous comparez avec cette personne, qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans cette personne ou dans cette situation, et quels sont les outils que vous pouvez mettre en place pour démarrer un changement ou quelque chose qui ferait que non seulement vous allez pouvoir vous comparer, mais vous allez peut-être pouvoir prendre le même chemin, d'accord? Parce que l'envie, je vous le rappelle, fait partie des 7 péchés capitaux, mais il y a certaines formes d'envie qui pour moi ne sont pas négatives. Quand on envie quelqu'un, mais sans forcément, sans arrière-pensée, sans se dire oh là, je le veux, je le convoite, voilà, ça c'est une envie qui peut être un peu malsaine. Mais quand on envie quelqu'un en se disant j'aimerais bien être pareil, j'aimerais bien faire pareil, allez-y, faites-le, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, hein? C'est pas tout de dire j'aimerais bien être comme lui. Si par exemple, je sais pas, moi, vous bavez sur votre voisine qui fait 30 kilos et vous aussi vous rêvez d'avoir sa silhouette, qu'est-ce qui vous empêche de l'avoir? Je veux dire, les outils ne vous appartiennent qu'à vous, hein. Libre à vous de faire un régime, si vous vous plaisez plus, si vous ne supportez plus le reflet dans le miroir, ça dépend de vous de changer ça. Si vous en avez marre de votre travail, ça ne dépend que de vous aussi d'en changer. Voyez, il faut pas croire qu'on est toujours prisonnier de certaines choses. Non, parce que parfois, la seule prison dans laquelle on est, c'est nous-mêmes qui nous l'imposons. Donc le fait de se comparer, c'est bien, mais quels sont les outils que vous allez pouvoir mettre en place ensuite pour démarrer ou avoir possédé hein, ce que vous enviez? Allez, maintenant on va regarder avec le Joracle, on va se faire une petite prédiction. Alors, nous avons le miroir, oui, ce qui est plutôt assez logique puisqu'on nous parle ici de comparaison. Et nous avons le contrat et l'araignée. Alors, ici on a quelque chose qui est très intéressant puisque le miroir, très concrètement, c'est une carte qui peut vous refléter. C'est une carte qui peut vous représenter. Donc ici, cette carte-là pourrait prendre l'apparence du consultant, à savoir vous. Effectivement, vous êtes en ce moment dans une phase où vous vous posez des questions, où vous êtes dans cette phase de réflexion. Mais quand vous réfléchissez, vous avez l'impression de tourner en rond et de toujours revenir sur les mêmes problématiques, les mêmes choses, et du coup ça n'avance pas, exactement comme un miroir. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, très concrètement, vous ne voyez pas l'horizon dans le miroir, vous voyez vous et vous voyez ce qu'il y a derrière vous. Mais est-ce qu'il est bon de regarder derrière soi? Est-ce qu'on veut vraiment regarder derrière soi? Est-ce que c'est pas plutôt l'horizon qui nous intéresse? Parce que
Regardez derrière soi, c'est une référence bien sûr au passé, mais le passé, vous ne pourrez jamais le changer. Jamais. Ça, c'est quelque chose, vous pourrez en tirer des leçons, vous pourrez en tirer des conclusions, mais jamais vous ne pourrez revenir en arrière pour réparer ce qui a été brisé, pour récupérer le temps qui a été perdu, pour faire les choses bien ou comme vous l'auriez voulu. Non, ça, c'est juste impossible. Donc par conséquent, est-ce que c'est vraiment utile de regarder derrière soi, hein? Et c'est ce qu'un miroir nous impose. Nous, nous regardons devant, mais notre vision nous renvoie à ce qu'il y a derrière nous. Et en fin de compte, est-ce qu'on en a besoin pour avancer? Non, on n'a pas besoin. Et pire encore, si on a comme objectif ce qui est derrière nous, très concrètement, c'est pas comme ça que vous allez progresser, les amis. Donc, au contraire, là, il faudrait plutôt briser ce miroir ou transformer ce miroir en fenêtre, hein, que cette glace qui reflète les choses derrière devienne transparente et translucide de façon à vous permettre de voir ce qu'il y a devant vous. Et c'est ça le plus important. Et justement, on vous dit ici de faire attention avec l'araignée, puisque l'araignée peut représenter une forme de piège, hein. L'araignée, elle peut avoir un sens positif et un sens négatif. Son sens négatif, vous l'aurez compris, c'est le piège, hein, un piège qui est devant vous. Et effectivement, si vous avancez avec un miroir devant vous, très concrètement, vous n'allez pas voir la toile d'araignée vers laquelle vous vous dirigez, puisque vous regardez en fait ce qu'il y a derrière grâce au miroir, tout en avançant, voyez? Donc c'est pas cohérent, c'est pas logique. Et c'est comme ça que vous allez tomber dans les pièges. Et l'araignée, elle peut avoir un sens plutôt aussi positif dans le sens où elle construit sa propre toile. Elle construit ses choses. C'est-à-dire que l'araignée, elle, ne se compare pas à ses voisines en se disant, oh là là, elle a une plus belle toile que moi, etc. Non, l'araignée, elle travaille pour elle-même, elle travaille pour vivre, elle travaille pour faire les choses. Puisque sa toile, c'est à la fois sa maison, mais c'est aussi son garde-manger, hein, sa toile, c'est un petit peu tout. Donc, est-ce qu'on vous invite aussi vous-même à tisser votre propre cocon, à tisser un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous, surtout que la toile peut avoir une symbolique forte. La toile peut être tissée avec les fils du destin, hein, et là, tout de suite, on peut penser par exemple aux moires, ces trois femmes qui tissent la tapisserie de la vie. Il y en a une qui fabrique le fil, donc qui est associé à la naissance. Il y en a une autre qui tisse la toile, donc c'est le destin, et une autre qui coupe le fil, qui symbolise la mort. Donc ici, on a quand même un symbole qui est très fort pour vous dire peut-être de reprendre les choses en main, de ne pas être la petite mouche qui va devenir la proie de l'araignée, mais peut-être au contraire de devenir vous-même l'araignée et de tisser votre vie, de ne plus être victime, de ne plus vous laisser imposer les choses, mais de reprendre les choses en main. Et je trouve que ça colle bien du coup avec cet aspect de vous comparez-vous, hein? Cette question quand même assez essentielle, est-ce que vous vous comparez? Si oui, à qui? Si oui, pourquoi? Et quels sont les outils que vous voulez mettre en place? Parce que c'est pas tout de se comparer à quelqu'un. Parce que si vous restez juste dans cette image de se comparer à quelqu'un, mais sans rien mettre en place derrière, rapidement, très rapidement, vous allez tomber dans une forme de frustration qui en fait va vous rendre malheureux en vous disant, eh oui, regarde mon voisin, il a une Porsche, il a une maison, il a une piscine, et moi je peux même pas partir une semaine en vacances. Oui, mais non, ça c'est le type de comparaison qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne et surtout qui n'est pas objective, puisque se comparer à quelque chose ou à quelqu'un qui n'évolue pas du tout dans la même sphère que nous, ça c'est malsain en revanche, hein, parce que concrètement, bon, je vous le souhaite bien entendu, mais il y a quand même peu de chances pour que vous deveniez milliardaire ou millionnaire quand même, hein, soyons objectifs 2 minutes. Ça peut être réalisable, mais est-ce que c'est réaliste? Je ne crois pas que ce soit réaliste, bon, à moins que vous gagniez à l'euro million évidemment. Bon, si ça arrive, surtout, n'oubliez pas, pensez à moi, hein. Non, blague à part. Blague à part, ne confondez pas ce qui est réaliste et réalisable. C'est-à-dire que oui, gagner au loto, c'est réalisable. Par contre, est-ce que c'est réaliste? Ça, c'est une autre question, hein. Et vous, vous êtes dans cette même dynamique. C'est-à-dire, vous comparez. Oui, mais la personne ou la situation à laquelle vous vous comparez, est-ce que c'est réaliste, cette comparaison? C'est-à-dire que si vous comparez à Angelina Jolie, bon, bah, je veux pas vous déprimer, mais c'est pas réaliste de se comparer à une personne pareille. Par contre, si vous comparez à quelqu'un qui est plus ou moins similaire à vous, qui a plus ou moins le même train de vie, qui a une vie qui est très similaire à la vôtre, oui, là c'est beaucoup plus objectif et vous pourrez tirer davantage de leçons en vous comparant avec ce qui est comparable, d'accord? Et enfin, le contrat ici,
Eh bien, pour moi, dans ce contrat, j'y vois une sorte de promesse que vous pouvez vous faire à vous-même. C'est-à-dire, fixez-vous des objectifs, mais surtout, tenez-les et essayez de vous les imposer. Alors attention, quand je dis imposer, il faut pas que ça devienne une contrainte, d'accord? C'est-à-dire que l'araignée, quand elle tisse sa toile, elle ne se donne pas la contrainte de tisser sa toile. Non, elle le fait parce que ça va lui servir de maison, parce que ça va lui servir pour manger, hein. Si elle ne fait pas sa toile, elle ne va pas survivre, l'araignée. Et vous, c'est le même principe. Quand vous vous imposez les choses, faites-le, mais dans une démarche positive, pas dans la contrainte de vous lier à quelque chose, d'avoir un boulet attaché à la cheville. Non. Donc, faites comme si c'était un contrat professionnel dans le sens où vous vous fixez un cap, vous vous fixez un objectif, un but, et vous vous dites, ok, il faut que je remplisse le contrat. Voilà, je me suis dit que dans 6 mois, je pourrais avoir ceci. Dans 5 ans, je pourrais avoir mon entreprise. Vous voyez, essayez de vous fixer des objectifs qui sont réalistes et qui sont aussi réalisables. Hein. On en revient à ce sens de réaliste et réalisable. Et c'est en remplissant votre contrat que vous pourrez vraiment acquérir ce que vous convoitiez et ce dont qui faisait, ce qui vous faisait envie, hein, tout simplement. Autre chose aussi pour le contrat, rédiger un contrat, c'est bien. Mais le principe d'un contrat, c'est de mettre des clauses à l'intérieur. Et dans ces clauses, moi, je vous invite à mettre des étapes. C'est-à-dire que si vous êtes fixé l'objectif d'avoir votre propre entreprise ou d'être à la tête d'une famille nombreuse, peu importe. Dans tous les cas, il va vous falloir du temps. Très concrètement, imaginons, moi, je sais pas, que vous vouliez 5 enfants. Bon, 5 enfants, ça se fait pas en 2 mois, hein. Il va falloir un petit peu de temps quand même. Il va falloir quelques années, hein, au moins 5-6 ans quand même pour avoir autant d'enfants. Hein. Et encore 5-6 ans, c'est court parce que ça fait enfant sur enfant des retours de couches, donc c'est même un petit peu trop tôt. Mais vous avez compris le principe. Fixez-vous des étapes dans votre contrat que vous allez passer avec vous-même. Si vous êtes, par exemple, là, ça va vous parler. Imaginons que vous vouliez faire un régime et vous vous dites, il faut que je perde 50 kilos. C'est un bel objectif, mais 50 kilos d'un coup, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas réalisable et pire encore, vous risquez de mettre votre santé en péril. Il faut procéder par étapes. Donc, dans les conditions de votre contrat, vous allez vous dire, voilà, je me donne 3 mois. En 3 mois, il faut que j'ai perdu, par exemple, les 10 premiers kilos. Bon, c'est un peu beaucoup quand même, hein. Commencez plutôt par 5, parce que dans les régimes, il vaut mieux en perdre peu, mais bien les perdre, que en perdre beaucoup et tout reprendre derrière. Donc, vous fixez un cap, un objectif qui soit réaliste et réalisable. Donc, vous vous dites, allez, je me donne 3 mois, et en 3 mois, il faut que j'ai perdu au moins 5 kilos, que je les ai bien perdus et que je les ai pas repris. Et puis, voilà, je me donne 1 an, dans 1 an, j'en aurais perdu 15, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir remplir tout doucement votre contrat jusqu'à arriver à la finalité de votre contrat. Attention là encore sur cet aspect de contrat, moi je vous conseille de vous faire un CDD. Ne vous faites pas un CDI. Pourquoi? Parce que si vous dites oh ça va, j'ai le temps pour le faire, eh bien vous risquez d'avoir une perte de motivation avec le temps. C'est comme le sport, hein. Le sport, on est toujours motivé les 15 premiers jours et puis rapidement bah on fait un petit peu moins d'abdos et puis au lieu de faire tous les 2 jours, on fait une fois tous les 3 jours et puis après une fois par semaine et puis après une fois par mois et puis après une fois quand on y pense. Donc c'est le même principe. Mettez-vous vraiment un objectif et peut-être même une date butoir pour vous motiver, pour vous dire ok là je me suis fixé un cap, il faut voilà que janvier 2022 il faut que ce soit fait et il faut que je m'y tienne. Et du coup ça vous met un petit coup de pression qui vous motivera à tenir votre engagement avec vous-même. Ok? Allez, on va continuer pardon avec une petite carte du tarot. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai une carte qui s'est retournée. Eh ben, vous savez quoi, les amis? Franchement, la carte, elle s'est retournée et je viens de lire la première phrase. Je pense que c'est pas anodin qu'on ait cette carte qui s'est retournée. Nous avons le cavalier de deniers qui nous dit, ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève, ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où ma mort et naissance sont alliées, je n'ai plus peur.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je trouve que le cavalier de deniers colle tellement bien avec notre guidance. Je venais de vous le dire, de ne pas regarder avec le miroir, hein, de ne pas regarder le passé, mais au contraire, de vraiment être tourné vers le devant, vers l'horizon, vers l'avenir, même si cet avenir vous effraie parce que vous ne savez pas de quoi il est fait. Et surtout, dans notre période actuelle où très concrètement l'avenir fait peur à tout le monde parce qu'on ne sait pas du tout où on va. Il faut avancer, il faut avancer, il faut se fixer des caps, des objectifs et ne plus avoir peur, d'accord? Je crois que c'est vraiment la chose sur laquelle il faut travailler le plus, à savoir de ne plus avoir peur. Allez, on va terminer pour la guidance de l'étoile avec notre baguette. Et nous avons la numéro 28. Alors, la 28. La 28 nous dit: vous ne pouvez pas atteindre tous vos objectifs dans l'immédiat. Soyez patient. Pour accéder à la richesse et à une position élevée, il faut des efforts et du temps. Mais pour finir, vous obtiendrez des signes extérieurs de la prospérité. Vous devriez étudier vos relations personnelles avant de vous engager de manière permanente. Vos ennuis de travail seront bientôt résolus, mais votre santé risque d'être mauvaise pendant quelques temps. Allez, je vous montre le texte et n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Là aussi, on a quand même un message qui est super intéressant, puisque il y a une phrase qui m'a interpellée. Vous devriez étudier vos relations personnelles avant de vous engager de manière permanente. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu l'araignée quand je parlais de piège. C'est-à-dire, on revient encore sur cette idée de se fixer des objectifs, de prendre du temps pour faire les choses. Ne vous précipitez pas, ça sert strictement à rien. Faites les choses au contraire par étapes et procédez vraiment par étapes. On en revient en fait à la carte principale quand je vous disais vous comparez-vous. Ça, c'est la première question. Mais de cette question vont en découler plusieurs. C'est-à-dire, vous comparez-vous? Oui ou non? Déjà, première réponse. Ensuite, si oui, à qui je me compare ou à quoi je me compare? Ça, c'est la deuxième réponse. Et ensuite, pourquoi je me compare à cette personne ou à cette situation? Ça, c'est la troisième réponse. Et ensuite, quels sont les outils ou quelles sont les actions ou les stratagèmes que je mets en place pour obtenir ce qui me fait envie? Ça, c'est la quatrième réponse. Donc, vous voyez, d'une simple question, on a quatre choses à faire. Et c'est exactement ce que ressort dans cette guidance. Quand je parlais du contrat, de mettre vos conditions, hein, c'est-à-dire vos étapes, vos objectifs, il faut planifier les choses. C'est comme une araignée. Une araignée, elle tisse pas sa toile d'un coup. Elle va d'abord faire tous les fils de trame et puis ensuite, elle va tisser le reste. Vous voyez? Donc, on en revient toujours à cette idée de procéder par étapes. Prenez le temps de faire les choses, les amis, hein. En plus, le cavalier, je sais pas pourquoi, j'ai l'image, enfin l'expression de qui ménage sa monture va loin. Voilà donc, mes chers amis, pour cette première guidance avec la rune de l'étoile. Maintenant, on va passer à la rune, c'était l'abondance. Alors, notre rune de l'abondance, on va tirer notre carte. Et notre carte nous dit l'identité. Qui êtes-vous? Alors c'est drôle, on a encore un miroir ici. Décidément, on a une symbolique très forte. Qui êtes-vous? Ça, c'est une question que bon nombre on se pose, moi le premier. Donc c'est pour ça que je vais essayer de rester objectif pour vous interpréter cette guidance. Mais c'est vrai que tout le temps, presque toute sa vie, quelqu'un qui décide vraiment de marcher sur un chemin de sincérité, de transparence, de compassion, d'altruisme, etc., va tout le temps se poser la question de savoir qui il est. Et ça, c'est pas une faiblesse, au contraire, pour moi, je le vois vraiment comme une force, parce que quelqu'un qui est capable de se poser la question qui suis-je, qui je suis, eh ben, c'est quelqu'un qui va manifester naturellement de l'humilité. Parce que dans la question qui je suis, tout de suite, on peut supprimer la prétention, l'orgueil, l'assurance, etc., etc., etc. Parce que quand on cherche qui on est, on ne peut pas faire preuve d'orgueil, de prétention, de choses comme ça, puisque nous-mêmes, nous ne savons pas, nous doutons, hein, nous sommes dans le doute. Et il y a certaines formes de doute qui peuvent être très bénéfiques.
Attention, il y a douter et douter. Là encore, hein, c'est comme tout dans la vie, quand on tombe dans l'extrême, ça devient nocif. Mais le doute raisonnable, se poser de bonnes questions au bon moment, peut vous conduire, eh bien, à une forme de réflexion qui vous permettra de vous élever, de tirer de bonnes leçons, de bons enseignements et surtout de chercher aussi, hein, soyez curieux. Je sais pas pourquoi. Mais dans le qui êtes-vous, ça invite aussi à la curiosité. Je vous dis ça parce que j'ai des choses qui me traversent la tête, là c'est assez fort. Je pense que vous êtes nombreux et on est nombreux. Alors c'est certainement dû aussi à l'énergie, j'ai envie de dire, globale, hein, de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors bien sûr, si vous êtes un visiteur du futur, peut-être qu'à votre époque, le problème que nous vivons sera réglé. Mais c'est vrai que nous vivons dans une époque qui est très compliquée et beaucoup d'entre nous, on se pose la question de savoir qui on est. Donc c'est une question qui peut être très intéressante, dans laquelle on peut trouver une mine d'informations, mais voilà, il faut se poser la bonne question. On va regarder, je vais utiliser les cartes comme support pour voir ce qui va sortir dans le qui êtes-vous, pour éventuellement me donner des pistes de réflexion sur quoi on pourrait travailler ou sur quels sont les domaines visés, hein, parce que peut-être que certains se posent des questions, mais ce qui êtes-vous, ce qui suis-je, peut-être qu'il est sur soit eh bien votre orientation sexuelle ou votre orientation professionnelle ou spirituelle, ou alors c'est vraiment toute votre vie que vous remettez en question. On va voir avec les cartes quels sont les domaines qui ressortent le plus par rapport à ce qui suis-je, qui êtes-vous? Alors, nous avons l'ange, nous avons la création et nous avons l'œil. Bon, des cartes qui peuvent faire un petit peu peur, je vous le concède. Alors, l'ange. L'ange est intéressant parce que ça peut faire penser tout de suite à une forme de spiritualité. Il est possible qu'en ce moment vous posiez des questions sur vous, sur votre âme, sur votre conscience, sur votre spiritualité, sur votre vision de voir les choses. Peut-être que vous-même vous traversez une forme d'éveil spirituel et que vous recherchez certaines questions. Peut-être que vous avez tout remis en question, hein. Je sais pas, moi imaginons que ça fait 40 ans que vous êtes catholique et là, bah je sais pas, vous avez eu une sorte de rencontre mystique, de révélation mystique qui fait que vous ne vous sentez plus en concordance avec le catholicisme, mais que vous vous sentez plus en adéquation avec le bouddhisme ou je ne sais quoi. Ça peut arriver, une conversion, hein, une révélation mystique. Ça pourrait nous parler de ça. Ça pourrait nous parler d'une révélation mystique dans un sens un petit peu plus large. C'est-à-dire peut-être que vous vivez certaines choses. Imaginons que vous ne croyez pas du tout au monde spirituel et ésotérique. Du coup, ben, je ne sais pas ce que vous faites sur ma chaîne. Non, mais ça peut arriver, blague à part. Mais imaginons que vous soyez sceptique sur voilà, des possibilités. Et là, depuis quelque temps, vous vivez des choses. Eh ben, qui ébranle un petit peu votre conscience et votre esprit cartésien et scientifique et qui remettent vraiment bah, les choses, c'est-à-dire vous dites, et si c'était possible, et si je renonçais aux faits et que je me mettais à croire aux possibilités, qu'est-ce que ça donnerait, comment ma vie pourrait évoluer? Donc peut-être que vous traversez cette période-là. Peut-être aussi que vous avez une sorte de révélation dans l'altruisme, hein, parce que l'ange tout de suite peut nous faire penser à l'ange gardien. Est-ce que vous vous êtes révélé, je sais pas, vous avez fait une bonne action, alors que c'est pas forcément votre habitude. Alors attention, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais, hein, mais c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas toujours le temps de faire des bonnes actions, voilà, les bonnes actions, on les fait quand elles se présentent, mais de nous-mêmes, est-ce qu'on les fait, hein? Combien d'entre vous sont bénévoles dans des associations ou autres, hein? On va quand même être honnête 2 minutes. Donc c'est vrai que les bonnes actions, on les fait quand elles se présentent à nous. Enfin, pas toujours. Enfin, pas tout le monde plutôt. Mais c'est vrai que de nous-mêmes, on va pas forcément les chercher. Et là, vous avez peut-être fait une bonne action qui vous a, pareil, qui vous a ébranlé dans votre conscience, dans votre moi profond, et vous êtes dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. J'ai pris conscience que j'aimais aider les gens, que c'était mon truc, que j'étais à l'aise dedans, que je prenais du plaisir, que je me révélais, hein, parce que n'oubliez pas la question, c'est qui êtes-vous? Et justement, le fait d'avoir peut-être fait ça, d'avoir eu une révélation, ça peut vous aider à trouver qui vous êtes. Là, vraiment, l'ange, il est sur cet esprit de gardien, mais de guide avant tout, hein, pas qu'un ange gardien, mais un guide avant tout. Donc peut-être ici que
Soit ça peut nous parler de la présence de quelqu'un qui est autour de vous et qui est vraiment bienveillant et vous apportera une forme de réponse. Et là en plus du coup les trois cartes collent tellement bien avec l'ange, dire quelqu'un de bienveillant qui peut vous apporter un enseignement afin de voir plus clair ou de voir tout simplement. Peut-être qu'en ce moment vous n'êtes plus en capacité de voir. Donc peut-être ici que vous avez l'intervention de quelqu'un qui va vous aider à tirer un enseignement et qui vous permettra de revoir ou de vous révéler. Hein, ça peut être ça parce que l'œil n'est pas forcément synonyme de vision, il peut être aussi une forme de révélation, le fait de se révéler. Et comme là on est dans une dynamique de qui êtes-vous, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Dans tous les cas, l'ange ici nous parle vraiment de quelqu'un, soit vous-même aussi, donc ça peut être quelqu'un qui est de bienveillant autour de vous, qui a les capacités ou la possibilité de pouvoir vous aider à vous révéler, mais ça peut être aussi vous-même. Peut-être que vous allez vous découvrir une âme, entre guillemets, d'ange gardien, ou peut-être que vous allez vous découvrir que finalement vous avez un bon fond, ou que vous êtes quelqu'un de bien, et que vous avez envie de mettre à profit eh bien, toute cette bonté et toutes ces capacités, vous avez envie de les mettre en application et du coup de donner, hein, parce que la création ici aura un aspect après d'enseignement, le fait de diffuser un enseignement. Peut-être que vous êtes bon, vous êtes doué, c'est peut-être votre voie d'enseigner, de diffuser un enseignement, hein, peut-être que vous êtes fait pour ça, peut-être que vous-même vous êtes un guide sans le savoir, donc ça voudrait peut-être dire... Si vous posez des questions sur votre profession, peut-être, eh bien ici, que ça nous parlerait de profession type professeur, justement, éducateur, coach, pourquoi pas partir dans la psychologie, quelqu'un dans le conseil. Ça peut être dans... Alors, le conseil, ça peut être très vaste. Hein. Le conseil, on peut parler du domaine juridique, du domaine de la santé, du domaine social, enfin... Voilà, les domaines sont très vastes, hein, je vais pas tous vous les énumérer. Mais ici, voilà, peut-être que vous allez vous révéler l'âme d'un guide et que vous avez envie vous-même d'aider à votre tour. Dans tous les cas, ici, l'ange, que ce soit quelqu'un qui soit autour de vous, capable de vous aider, ou que ce soit vous qui vous révéliez avec cette âme de guide et de gardien, dans tous les cas, ici, on nous parle d'un guide. La création, du coup, je viens de vous la dire, mais en plus, la création pourrait aussi apporter une autre forme. Puisque à titre d'ailleurs juste d'exemple là on a trois archétypes pour le Joracle, donc on a vraiment ici une personnalité, un caractère qui se dégage. Et là, on vous demande de faire appel à votre aspect créatif. C'est-à-dire, certainement, que vous avez des réponses qui sont en vous. Hein, si vous posez la question de savoir qui vous êtes, qui êtes-vous, vous avez très probablement déjà les réponses en vous. Tout simplement fouiller, chercher un tel un livre, chercher les réponses qui sont dans ce livre. Vous êtes le livre et les réponses sont dans le livre. Donc il vous suffit de chercher. Faites peut-être un vrai travail d'introspection pour eh bien établir des listes mettant en exergue vos qualités, tout ce que vous aimez, tout, et puis voilà, hein, peut-être que vous, ou alors vous avez traversé quelque chose de difficile, je sais pas, ça peut être un deuil, la perte de quelqu'un, ou alors vous êtes fait humilier, ou alors peut-être une relation qui s'est terminée et vous vous sentez comme anéanti, comme en morceaux. Eh bien tous ces morceaux, ils sont vous, hein, même si aujourd'hui vous vous sentez cassé, même si vous vous sentez brisé, il suffit de reprendre tous ces morceaux, de mettre un petit peu de colle et pouf, on rassemble tout, hein. L'essentiel c'est de bien conserver ces morceaux, mais l'essentiel c'est que vous avez tout à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'un livre, même si toutes les pages s'en vont, le livre reste intact, hein. Ce qui compte c'est le contenant, c'est pas le contenu, non c'est l'inverse, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Si par exemple voilà le livre ne ressemble plus à un livre et qu'il n'y a que les feuilles, bah c'est pas grave, on a toujours l'esprit du livre, hein, et c'est ce qui compte. Regardez en plus ce livre qui est tout rapiécé, qui a un visage torturé, qui a des cicatrices, hein, vraiment ce livre n'est pas beau et c'est voulu d'ailleurs. Et peut-être que vous-même vous comparez à ce livre en vous disant que bah oui, vous avez des cicatrices, vous n'êtes pas beau, vous êtes abîmé, mais c'est la vie, hein, à force d'avoir écrit des chapitres, des nouveaux chapitres, de tourner des pages, etc., etc. Eh bien oui, vous étiez un joli livre neuf et puis eh ben à force, eh ben voilà, vous avez un petit peu cette tête là. Mais c'est pas parce que vous avez cette tête
tête que vous êtes vide. Au contraire, pour moi, un livre qui aurait cette tête, c'est un livre qui a beaucoup de choses à dire, qui a énormément de pages. Et je pense que c'est ce qui, c'est ce dont vous avez besoin, c'est de savoir que vous n'êtes pas une coquille vide. Ce n'est pas parce que vous posez la question de savoir qui vous êtes que vous n'êtes rien. Non, au contraire, le fait de vous poser la question de savoir qui vous êtes, c'est peut-être parce que vous avez endossé trop de rôles dans votre vie, que vous avez trop eu de responsabilités, ou qu'on a trop attendu ou trop exigé de vous, ou peut-être même trop abusé de vous, à tel point que vous vous êtes perdu, tout simplement. Et vous êtes perdu dans votre conscient et dans votre inconscient également. Donc par conséquent, les réponses sont simplement en vous et il vous suffit de remettre les pages reclassées, tout simplement. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas qui vous êtes, c'est juste que le livre, les pages, il n'y a rien dans le bon ordre. Reclassez tout simplement les choses dans le bon ordre. Et c'est comme ça que vous allez retrouver la trame complète de l'histoire du livre. Ok ? Et là, pour l'œil, eh bien tout simplement, l'œil vous invite en plus, regardez cet œil. Il est malsain cet œil, il a quelque chose qui... il a un côté un petit peu... à la fois, on sait pas trop ce qu'il pense cet œil, est-ce qu'il nous juge? On a l'impression qu'il est à moitié endormi, hein. Là on voit que la paupière est pas ouverte complètement, il nous regarde pas vraiment d'un œil entier, mais... Donc on sait pas trop ce qu'il pense cet œil, et ça, c'est très clairement la vision des autres en fait, et c'est comme ça que vous percevez les autres, c'est-à-dire que vous êtes là... à vous comparer, entre guillemets, on revient finalement à la première guidance aussi où on se comparait, mais là on est sur cet aspect de comment les gens me voient, parce que pour vous, il est possible que le jugement des autres soit important pour vous montrer qui vous êtes. Et ça, c'est pas la bonne solution. Faut faire l'inverse en fait. C'est-à-dire, c'est vous qui vous révélez et ensuite vous montrez aux autres qui vous êtes. Mais il ne faut pas vivre à travers le regard des autres, d'accord ? Et c'est comme ça qu'on se perd justement. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire plaisir à Pierre, à Paul, à Jacques, de coller à tel moule, de ressembler à telle chose, à telle personne, de suivre telle règle, etc., etc. Si tout ça ne colle pas avec qui vous êtes, c'est comme ça que vous vous perdez et qu'à la fin, vous demandez qui vous êtes. Donc aujourd'hui, ne vous fiez pas et ne vous reposez pas sur le regard des autres, mais au contraire, cet œil doit être votre vision à vous, c'est-à-dire posez-vous et dites-vous, demandez-vous, moi comment je me perçois, comment je me vois, comment je veux me voir, comment je veux me percevoir, et grâce à cet regard objectif, c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment extirper toutes les informations de ce bouquin pour pouvoir reclasser les choses dans l'ordre et enfin avoir la réponse de qui je suis. Allez, on va continuer avec le petit oracle du tarot. Non, là on en a beaucoup les amis, on en a beaucoup, on en a trop, ça compte pas. Alors, on en pioche une, tac, on va prendre celle-ci. Et nous avons le 5 de denier. Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, tel un pont entre deux rives. La réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Là encore, je trouve que cette carte colle vraiment bien avec notre guidance. Pourquoi elle colle vraiment bien ? Est-ce que, justement, regardez notre carte qui nous disait « Qui êtes-vous ?» et on a un miroir. On a un miroir ici. Et puis, vous avez vu quand même, non seulement on a un miroir, ici on a un œil qui nous regarde, ici on a deux yeux qui nous regardent, et le seul, finalement, qui n'a pas vraiment de visage, de regard, c'est l'ange, justement. Mais on a quand même que des visages, que des choses qui nous reflètent, hein. C'est-à-dire que sur l'ange, le visage de l'ange, on pourrait poser le nôtre comme un miroir quelque part. Donc c'est quand même assez drôle. Effectivement, ici on est dans cet esprit de voir les choses dans un angle, sous un angle différent. Là, ce n'est pas de vous poser la question de savoir qui vous êtes qui va vous mener à la réponse, puisque la réponse vous l'avez déjà. Et il suffit en fait de tout simplement accepter qui vous êtes et c'est comme ça que vous répondrez vous-même à votre propre question. Est-ce que vous m'avez suivi ? Je m'explique. C'est-à-dire que vous, voilà, vous aimez
Vous aimez les sushis, vous aimez les films d'horreur, vous aimez ceci, vous aimez cela, etc., etc. Sauf que vous avez vécu avec quelqu'un qui n'aimait pas les sushis, donc du coup vous êtes privé, vous n'en faisiez plus. Les films d'horreur, telle personne, pareil, n'aimait pas, donc du coup vous n'en regardiez plus ou plus autant, etc., etc. Et petit à petit, à force comme ça de vous gommer, de vous estomper, de racler les angles pour convenir finalement à quelqu'un ou à des convenances, qu'on parle d'un milieu professionnel, famille, ami, peu importe. Mais à force de toujours vous tailler, vous tailler, vous retailler, etc., 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 pour coller dans le moule qu'on vous a imposé, eh ben, c'est ça qui vous a conduit à vous poser la question de savoir qui vous êtes. Mais non, en fait, ce qu'il faut faire, vous allez me ramasser tous les morceaux que vous avez raclés, que vous avez gommés, que vous avez enlevés de vous, et vous allez voir qu'en mettant tous ces morceaux à nouveau sur la petite boule que vous êtes, et bien la petite boule finalement elle est plus vraiment ronde mais elle est un peu carrée, et puis en fait elle est plus carrée mais elle est un peu triangulaire, et puis en fait elle prend des formes différentes, et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez en fait reconstituer qui vous êtes réellement. C'est pour ça que je vous dis que les réponses sont déjà en vous, comme un livre. Si je vous jette 500 pages à la tronche qui sont toutes détachées, et que vous reprenez les feuilles comme ça et vous les classez sans les mettre dans l'ordre, bah l'histoire, vous allez rien comprendre du tout. Par contre, si vous prenez le temps de mettre page 1, page 2, page 3, et vous rassemblez le livre comme ça, là, vous aurez l'histoire complète. Et vous, c'est le même principe. Aujourd'hui, si vous vous sentez être en morceaux, rassemblez ces morceaux, regardez les choses d'un angle différent pour voir que finalement, les réponses, vous les avez déjà. Allez, on va terminer maintenant avec la baguette. Et nous avons la 57. Alors, 57. La 57. Cette divination évoque la berceuse qu'une mère chante à son bébé. De même qu'une mère dévouée berce et protège son enfant, vous serez protégé par le sort. Tout est bien contrôlé pour l'instant, vous devriez donc n'avoir que peu de soucis. Il serait sage de rester où vous êtes et d'éviter de voyager puisque votre situation actuelle est favorisée par la chance. C'est sans doute le bon moment pour réaliser des investissements à long terme. Allez, je vous montre. Pareil, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Là aussi, on a quand même un message qui est assez sympa, puisque on nous dit ici que vous n'avez pas lieu de vous faire de soucis pour l'instant. Là, les choses suivent leur cours, la chance est avec vous, il n'y a pas de problème particulier, donc arrêtez de vous angoisser, arrêtez de vous poser 10 000 questions, et le temps qui vous est accordé, ce moment de calme, hein, de quiétude, eh ben, profitez-en, au contraire, pour travailler sur vous, pour prendre du temps pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour vous redécouvrir. Puisque si vous êtes dans cette dynamique de vous poser la question de savoir qui vous êtes, vous avez besoin de temps pour recoller les morceaux, hein. Concrètement, si y a le travail, il y a les enfants, il y a le mari ou l'épouse, il y a ci, il y a ça, il y a les projets, il y a machin, et du coup votre esprit va être éparpillé, et vous ne pouvez pas être en mesure de faire ça. Mais si au contraire vous prenez le temps pour vous et vous imposez de vous dire ok, bah ce temps effectivement en ce moment c'est un peu calme, c'est un peu tranquille, et ben je vais le prendre pour moi, pour me poser les bonnes questions, pour reprendre les activités que je ne faisais plus. J'adorais lire, et ben je vais reprendre la lecture. J'adorais coudre, je vais reprendre la couture. J'adorais faire de la mécanique, je vais refaire de la mécanique. Voyez, vraiment profitez-en pour faire les activités que vous aimiez et vous redécouvrir, hein. C'est comme ça que vous pourrez vous-même répondre à vos questions en disant ah oui, ça c'est vrai que j'adorais ça et ça et ça. Et puis voilà, hein, c'est comme ça que vous allez vous reconstruire. Donc profitez de ce temps qui vous est donné à l'heure actuelle pour être, entre guillemets, égoïste, penser qu'à vous, vous construire, vous reconstruire, et puis quand vous serez à nouveau en un seul morceau, là, vous pourrez à nouveau
redonner du temps, enfin faire tout ce que vous faisiez avant. Mais pour l'instant, pensez plutôt de façon égoïste. Et encore, c'est même pas être égoïste, hein. Quand on a besoin d'être reconstruit, quand on a besoin de temps pour soi, c'est pas être égoïste. Au contraire, c'est après tout, les autres, ils se gênent pas pour le faire. Donc pourquoi est-ce que vous devriez rendre des comptes? Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit? Après tout, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est votre esprit. Donc non, ça n'a pas de prix et le temps, vous devez le prendre pour vous. C'est important. Voilà les amis, donc pour la guidance de l'abondance. Et on va terminer par la guidance du vent. Et nous avons... Ah, elle a l'air jolie cette carte. Nous avons s'aimer. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? Oh, décidément, on est vraiment sur l'estime de soi, je trouve. Alors attention, cette carte ne vous dit pas quand avez-vous dit je t'aime pour la dernière fois. Non, là on vous parle pour vous. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? En gros, vous-même. Vous êtes dit je t'aime à vous-même quand? Bon, alors moi si je dois répondre, je dirais 33 ans. Non, les blagues à part. Blague à part, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une question qui est très intéressante, effectivement, le fait de s'aimer soi-même. Puisque s'aimer soi-même, c'est avant tout l'estime de soi, hein, et c'est important l'estime de soi. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on nous formate, faut reconnaître les choses, on nous formate, on nous conditionne, voire nous lave le cerveau. Pour être belle, il faut que tu sois mince, il faut que tu aies des gros seins, il faut que tu sois comme ceci, comme cela, avec des cheveux longs, blondes, brunes, machin, bidule, maquillée, etc., etc. Un mec, pour que tu sois beau, il faut que tu aies des muscles, des abdos, que tu aies des cheveux, et ceci, et cela, hein. Il faut que tu aies entre 18 et 25 ans, hein. Si vous rentrez pas dans tous ces critères, alors vous êtes moche, voilà. Pire encore, on vous fait comprendre limite qu'il faudrait vous suicider, que vous n'avez pas votre place sur Terre, etc., etc. Quand même, on vit dans une société qui est aujourd'hui, à mon sens, la plus hypocrite de toute l'histoire de l'humanité, parce que on vit dans un monde où à l'heure actuelle, on a beaucoup de coachs, de thérapies, de machins, de bien-être, d'estime de soi, etc., etc. Mais je suis désolé que ce soit la télé, les médias, eux ne sont pas du tout dans cette dynamique-là, puisqu'on nous bombarde sans arrêt, hein, je prends à titre comparatif, une simple pub pour présenter un yaourt, la nana pose nue. On se demande le rapport, en fait. On se dit pourquoi est-ce qu'elle montre ses fesses pour nous présenter le dernier yaourt de telle marque. Hein. Bon, bref. Bon, je suis désolé les amis, je m'égare un peu, mais c'est voulu, c'est pour vous lancer un petit peu sur le reste. Et du coup, on vit dans une société qui fait en sorte qu'on soit mal dans notre peau pour tout simplement nous faire consommer à nouveau. Puisque tout ce qui compte dans ce monde, c'est le fric, le fric, le fric et encore le fric. Donc, si on vous fait comprendre que vous êtes moche, que vous êtes idiot, que si vous n'avez pas le dernier smartphone à la mode, alors vous n'êtes rien ni personne, que si vous n'avez pas la dernière voiture, pareil, vous êtes un demeuré, que si vous n'avez pas tel ceci et tel cela, pareil, vous êtes un incompétent. Enfin, voyez ce que je veux dire, tout le temps, pareil pour nos patrons, hein, je vois nos patrons, il n'y a jamais rien qui va. Dites-moi en commentaire combien d'entre vous ont la chance d'avoir un patron ou une patronne qui vous félicite, qui vous fait des compliments. Personnellement, moi, j'en ai quasiment jamais rencontré. Hein. Moi, à chaque fois, je me défonçais à mort au travail et malgré tout ce que je faisais, ça n'allait jamais. Voilà. Bon, il y a un moment, on a envie de dire merde, très clairement. Mais voilà, tout, absolument tout, nous pousse dans cet état émotionnel de détresse, c'est-à-dire qu'on se trouve moche, on n'a pas confiance en nous, on est toujours en train de se comparer à Pierre, à Paul et à Jacques. Et en fait, on vit dans cette société où finalement on a besoin d'avoir des compliments et c'est pour ça qu'on se dirige eh bien, vers les domaines ésotériques, vers des coachs de plein de choses, vers des personnes en gros qui vont nous dire tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Et en fait c'est humain et on peut même pas nous en vouloir de faire ça, hein. Si je prends à titre comparatif, quelqu'un qui va aller voir une voyante, une vraie charlatan, qui va lui dire tu es belle, tu vas te marier dans l'année, tu vas gagner le loto, voyez, on sait que c'est de la connerie, mais on en a besoin parce que on nous rabâche tout le temps, tous les jours, qu'on est moche, qu'on est bête, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est mal foutu, qu'on est gros, qu'on est... Pff,
Il y a un moment, on a besoin d'avoir des paroles réconfortantes qui nous disent que non, on n'est pas moche, non, on n'est pas bête, non, on n'est pas ceci, non, on n'est pas cela. Voilà. Et du coup, eh ben, on est prêt à aller voir n'importe qui et faire n'importe quoi pour avoir ces phrases. C'est quand même triste, hein? C'est vraiment triste. Et du coup, on en vient enfin à notre carte qui nous dit de s'aimer soi-même. Comment est-ce qu'on peut s'aimer quand devant le miroir, on voit une espèce de vieille peau toute fripée, 15 kilos de trop, plus de cheveux, le dentier, etc., etc. Mais non, en fait, c'est ce que vous voyez dans le miroir, c'est ce qu'on a envie que vous voyez. Parce que du coup, si vous vous voyez comme ça, vous allez pouvoir consommer, vous allez pouvoir acheter le make-up, vous allez pouvoir acheter les crèmes anti-rides, les crèmes contre la cellulite, la dernière culotte gainante, le boxer pour faire croire que vous avez un gros service 3 pièces, le machin pour faire repousser les cheveux, etc., etc. Vous avez compris le principe? Donc, ce que vous voyez dans le miroir, le problème en fait, c'est pas votre corps, c'est pas vous-même, c'est ce que vous pensez, c'est l'image que vous avez de vous. Dites-vous quelque chose, c'est que le corps est parfait. Parfait dans le sens où c'est la nature qui l'a créé, et quand même, je vous invite les amis à réfléchir 2 secondes à quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire. Vous vous rendez compte que notre corps est fabriqué à partir d'un œuf et d'un spermatozoïde, c'est-à-dire 2 cellules uniques, qui vont fusionner pour créer une cellule. Et vous vous rendez compte que juste à partir d'une seule, une seule cellule, eh bien, on va développer des os, des organes, des cheveux, des yeux, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai toujours été fasciné en me disant comment, d'une simple cellule, elles vont se diviser et puis elles vont dire, toi, tu vas faire les yeux, toi, tu vas faire l'estomac, toi, tu vas faire le cerveau, alors que c'est la même, ça part d'une même cellule. Vous vous rendez compte? Et chaque corps est fait pareil. Et c'est pas beau, ça? La vraie beauté n'est-elle pas ça? Regardez votre corps, il a la faculté de se soigner par lui-même. C'est quand même incroyable. Vous vous blessez, vous vous ouvrez, pouf, au bout de 3-4 jours, ben c'est fini, la plaie est fermée. Ben c'est quand même extraordinaire. Moi, je trouve que le corps en lui-même est extraordinaire. Et peu importe comment est-ce qu'il est, ce corps, qu'il fasse 30 kilos, qu'il en fasse 150, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, qu'il ait des cheveux, qu'il ait pas de cheveux, qu'il ait des seins, qu'il en ait pas, un corps humain reste un corps humain et il est la perfection de la nature. Et ça, personne n'a à vous dire que un tel est plus beau qu'un tel. Hein, on en revient à la première guidance de se comparer. Mais là, pour le coup, voilà, ça c'est une comparaison qui est négative. Parce que si vous comparez à la super voisine là, qui a 22 ans, qui est blonde avec des seins comme des obus, et que vous avez 50 ans, vous avez eu 4 enfants, et que vous êtes loin de ressembler à votre voisine et que votre mari bave à chaque fois qu'il la voit, bah c'est sûr que ça va vous faire du mal, ça va vous détruire parce que bah vous deviendrez jamais comme cette voisine-là, voyez? Ça, c'est le type de comparaison qu'il ne faut pas se faire. En revanche, moi, l'exercice sur lequel je vous invite à travailler, c'est de vous regarder dans le miroir. Alors là, on est loin de la méthode Coué, les trucs un peu à la con, enfin à la con, c'est pas con, excusez-moi, mais vous m'avez compris. Mais je vous invite vraiment à vous regarder dans le miroir et vous allez vous mettre à poil, vraiment, complètement. Et là, vous allez regarder votre corps, vous allez prendre le temps de regarder votre corps, mais pas de le regarder dans ses imperfections, de le regarder dans sa perfection, en disant, la nature m'a donné 2 jambes pour que je puisse marcher, 2 pieds pour que je puisse me tenir droit, 2 bras pour que je puisse porter les choses, si vous êtes une femme, une poitrine qui me permet d'allaiter mon enfant à qui j'ai donné la vie. Enfin, voyez, vraiment, faites ce travail, faites ce vrai exercice. Et vous allez découvrir, en prenant le temps vraiment de regarder votre corps, qu'il y a des choses qui vous plaisent bien finalement sur votre corps. Un joli fessier ou des jolies hanches, peu importe, même si vous avez 10 kilos de trop, et alors il y a des rondes qui sont très jolies, enfin tout le monde est très joli, il faut arrêter de se dénigrer. C'est pas parce que vous avez un petit peu de brioche que bah ça y est, vous êtes moche. Non, prenez le temps de vous regarder au contraire et découvrez que votre corps peut être beau, que vous avez bah, des grains de beauté et vous adorez ça, ou que vous avez, je sais pas moi, un joli buste, ou je sais pas, un nombril, ça peut être tout et n'importe quoi, mais prenez le temps de regarder votre corps, prenez le temps de vous aimer. Et aussi, une fois que donc vous aurez fait ce travail-là, vous allez faire le deuxième travail qui consiste à se regarder, mais dans la tête. Alors ça va être compliqué, mais tout simplement, vous allez de façon très objective lister tout ce dont vous êtes capable de faire.
On dit de vous que vous êtes un bon cuisinier. Ok, donc je sais bien cuisiner. Quand vous créez quelque chose, on vous fait souvent des compliments. Tu sais bien dessiner, tu sais bien peindre. Ok, donc du coup, je sais bien dessiner. On dit de moi que je suis ceci, que je suis cela. Pas les trucs négatifs. Vraiment, vous listez les choses positives. Et une fois que vous aurez listé ça, vous-même, vous allez rajouter vos propres qualités. Mais pareil, je vous demande pas d'être prétentieux et d'inventer des trucs, soyez sincère avec vous-même, parce qu'il n'y a que vous qui regardez, hein, vous n'avez rien à prouver à personne. Il n'y a que vous qui êtes en train de faire ça. Donc, si vous êtes quelqu'un de sincère, marquez-le. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, marquez-le. Si vous êtes quelqu'un de serviable, de fiable, d'humble, d'altruiste, etc., etc., marquez-le. Si vous êtes quelqu'un de ponctuel, d'assidu, etc., etc., marquez-le. Vraiment, marquez toutes vos qualités. Et vous allez voir que vous allez dresser le portrait de quelqu'un. Eh ben, qui est pas si mal en fait, hein, qui a pas mal de qualités, qui est pas vilain, et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi apprendre à vous aimer. Et dites-le vous, dites-vous que vous vous aimez. C'est pas être prétentieux, être narcissique, arrogant ou quoi que ce soit. Alors oui, évidemment, si vous êtes, non, je vais pas dire ça, mais j'allais dire si vous êtes un petit, entre guillemets, un petit morveux de 22 ans qui fait des ronds de jambes sur la plage avec ses muscles et compagnie pour bien montrer qu'il est là et qu'il faut bien le regarder. Oui, ça, très concrètement, c'est être vraiment arrogant et avoir un ego démesuré. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut s'aimer. Non, mais c'est être fier de ce qu'on a fait. Par exemple, j'en reviens au régime, mais quand on a fait un régime et qu'on a atteint son objectif, on est fier. On est fier d'avoir perdu tous ces kilos. Et sans parler de l'aspect physique, mais on se sent mieux dans sa peau, on retrouve une certaine forme de santé, un certain souffle, etc., etc. Bref, soyez fiers de vous. Si vous avez des cicatrices sur votre corps, c'est pas vilain, au contraire, soyez fiers de vos cicatrices. Ça prouve que votre corps a survécu à pas mal d'épreuves et que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours debout, que vous êtes toujours vivant, hein, vous comprenez? Donc vraiment, faites cette liste exhaustive des choses qui vous permettront de vous aimer. Allez, maintenant on va passer aux oracles. Alors je suis désolé, j'ai eu beaucoup de choses à dire, mais je trouve que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est vraiment très important, c'est la plus importante de toutes les choses. N'oubliez jamais que si vous ne vous aimez pas, les autres ne pourront pas vous aimer aussi, puisque forcément vous allez refléter l'énergie que vous avez. Donc si vous vous trouvez moche, inintéressant, et ceci et cela, et ben forcément vous allez vous cacher dans des vêtements, vous allez longer les murs. Vous n'allez pas sortir, vous allez être timide et bah, fatalement vous n'aurez pas d'amis, vous n'allez pas parler avec du monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le fait de s'aimer, c'est important parce que c'est ça qui va faire et ben, que les portes vont s'ouvrir. Hein. Si vous arrivez par exemple à un nouveau travail, enfin un entretien avec beaucoup d'assurance en disant de façon très objective, voilà, moi je sais que je viens tous les jours, je suis toujours à l'heure, on peut compter sur moi, je suis serviable, etc., etc. Et que c'est ça qui va faire la différence, hein, avec quelqu'un d'autre. Donc l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. Alors je vous demande pas de vous regarder dans le miroir tous les jours en vous disant je t'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, oh là là, qu'est-ce que je m'aime. Non, je vous demande pas de faire ça tous les jours, mais régulièrement. Soyez objectif et dites-vous, voilà, trouvez-vous des qualités, listez-les et puis soyez fiers de qui vous êtes. Alors, nous avons les bulles. Les bulles nous parleraient ici, bien sûr, de célébration. Hein, le fait de fêter, de célébrer, et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que soyez fiers de qui vous êtes, parce que justement là on a la dague qui fait référence aux blessures. Oui, vous avez le cœur blessé, oui, vous avez le corps aussi qui est blessé, certainement vous avez des blessures, peut-être même. Je sais pas, moi, vous avez peut-être connu quelque chose de même très grave. Peut-être que vous avez perdu un membre, hein, un membre, une main, un bras, peu importe. Mais cette blessure, même si vous vivez encore avec, parce que je me doute que quand on perd un membre, c'est difficile, j'en sais quelque chose, hein. Je suis handicapé, j'ai perdu l'usage de mon bras gauche, hein. Donc je sais ce que c'est, hein. Mais dites-vous que vous êtes toujours là. Vous avez survécu à cette épreuve et que tous les jours, vous vous battez, non pas pour survivre, parce que vous n'êtes pas non plus mourant, mais vous battez tout simplement pour vivre, vous vivez et vous n'êtes pas là à vous plaindre, oui, regarde, moi j'ai pas de bras et non, non, vous le faites tout simplement, vous me verriez au quotidien, je suis pas là à demander de l'aide sans arroger en disant, oh, tu peux m'aider, j'arrive pas, je peux pas le porter, non.
Si je sais que je peux le porter, je le porte. Si je peux pas, eh ben, je le porte pas. Mais je suis pas là à demander de l'aide. Je vis tout simplement et je cherche pas à me faire plaindre. Et vous, c'est le même principe. Toutes les blessures que vous avez, vous ne les montrez pas. Quelqu'un qui a besoin de montrer ses blessures, ben, c'est quelqu'un qui souffre énormément d'estime de soi et qui a besoin qu'on lui dise oui, j'ai entendu ta peine. Oui, je sais ta peine. Oui, je sais ce que tu fais tous les jours. Mais c'est bon, c'est pas en la rappelant que tu vas guérir. Faut avancer maintenant. Donc toutes les blessures que vous avez, j'ai même envie de vous dire, célébrez-les. Alors je sais, dit comme ça paraît un peu impossible. Je vous entends déjà derrière votre écran en disant non mais il est fou lui. Il me dit qu'il faut que je célèbre mes blessures. Non mais et puis quoi encore? Il veut pas non plus que. Ben si. Rendez hommage dans le sens où toutes les épreuves de la vie que vous avez eues, toutes les blessures que vous avez eues, elles vous ont forgé et elles vous ont permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et même si votre corps il est abîmé physiquement, eh bien au contraire soyez fiers de ça parce que votre corps au moins ne ressemble pas à tous les autres. Hein, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, tous les corps, il faut qu'ils soient conditionnés sur le même moule, sur le même format. Il faut être tatoué, il faut être blond, bronzé, il faut être ceci, il faut être cela, il faut rentrer dans tel critère. Et bien si vous n'avez pas de tatouage, vous n'avez pas de piercing, et au contraire, vous avez des cicatrices sur le corps, et bien déjà, soyez heureux parce que vous ne rentrez pas dans le moule de tout le monde, d'une part. Et d'autre part, ça prouve que votre corps aussi a subi des choses, que vous avez subi des épreuves, et des épreuves que vous avez su traverser. Non pas sans mal, je suis d'accord, mais vous êtes là aujourd'hui, vous êtes vivant, c'est le principal, et c'est tout ce qu'il faut retenir. Oui, vous avez souffert, on le sait que vous avez souffert, vous le savez que vous avez souffert, mais c'est pas utile de s'en rappeler. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes vivant, oui, avec vos cicatrices, mais vous êtes là. Donc ici, il y a cet aspect vraiment de célébrer les choses. Et en plus, là, on a la carte de la Terre qui est une carte très forte, puisque notre corps, il symbolise aussi l'incarnation des quatre éléments, des cinq éléments, puisque dans notre corps, nous sommes composés à plus de 60% d'eau, donc on est composé d'éléments liquides. Nous respirons de l'air nécessaire au bon fonctionnement de notre corps, donc deuxième élément. Nous avons besoin de chaleur, notre corps exhale de la chaleur pour maintenir tous nos organes en vie, donc nous avons le feu en nous. Nous sommes composés de minéraux, de dur, hein. Nous prenons par exemple nos os, c'est du dur, c'est du minéral, c'est du calcium, etc. Ça fait partie des éléments de la terre. Et enfin, nous avons notre âme qui siège au sommet de notre temple, donc nous avons l'akasha, nous sommes à nous. Les cinq éléments. Nous sommes faits de la terre, nous sommes tous enfants de la terre. Et c'est ça aussi qu'il faut célébrer. C'est-à-dire que ça me fait sourire toutes ces personnes qui, parce qu'elles ont un mal-être, vont succomber à la chirurgie esthétique, etc., etc. Alors attention, j'ai rien contre la chirurgie esthétique, hein. Je peux comprendre et je peux entendre qu'on ait des complexes à tel point que, voilà, on sente mal dans notre peau et que je peux l'entendre. Mais j'ai envie de dire que le corps qui vous a été donné, s'il vous a été donné ainsi, c'est pour une raison, c'est aussi pour déterminer que vous êtes quelqu'un d'unique. Si par exemple vous avez un nez qui vous complexe parce que on dirait Cyrano de Bergerac, on vous surnomme d'ailleurs Cyrano de Bergerac, et ben soyez fiers de ça au contraire, parce qu'au moins vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez quelque chose d'unique, vous avez un trait unique, quelque chose qui vous caractérise. Vous préférez ressembler à tout le monde? Moi non, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Mais non, pour être confondu avec quelqu'un d'autre, pour en fait la seule chose entre guillemets d'unique, ce sera mon prénom. Non, non, non. Au contraire, si vous avez des caractéristiques physiques, eh bien j'ai envie de dire soyez-en fiers. Vraiment, je suis dans cette dynamique-là de vous encourager à vous accepter tel que vous êtes, à vous célébrer vous-même parce que vous êtes un temple dans lequel votre âme, votre esprit loge. Donc le fait de prendre soin de son temple, c'est important, c'est très important, mais ne soyez pas non plus dans l'extrême, hein, mais tout simplement, voilà, voyez que votre corps est un temple, il est un réceptacle à votre esprit, à votre âme, que vous êtes en perpétuelle communion avec la terre, que
vous êtes enfant de la Terre et que ce que vous avez vécu vous a permis de vous façonner comme la Terre. Hein, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Elle a connu divers cataclysmes, elle a connu divers changements, bouleversements, évolutions qui l'ont abîmée, qui lui ont fait des cicatrices. Mais aujourd'hui, regardez comme elle est belle, notre Terre. La nature est parfaite alors qu'elle est pleine de cicatrices. Hein, elle a eu des choses, des catastrophes épouvantables et pourtant notre planète, notre Terre est belle. Eh bien, vous êtes pareil, les amis. Oui, vous avez souffert, mais vous êtes beau tel que vous êtes, dans votre perfection. D'accord ? Allez, on va continuer avec notre tarot. Allez, on va s'en prendre une. Tiens, par là. Et nous avons le 2 d'épée. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. C'est quand même dingue, on a encore une référence à soi-même, à savoir s'écouter. S'écouter et ne pas écouter les autres. Donc si votre âme, si vous êtes content de qui vous êtes, si vous êtes fier de qui vous êtes, eh ben c'est le principal et on s'en fiche de ce que pensent les autres. Vous ne ressemblez pas à Angelina Jolie, eh ben tant mieux, vous êtes unique. Vous ne ressemblez pas à Brad Pitt, eh bien tant mieux, vous êtes unique. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, célébrez-vous et soyez fier de qui vous êtes et arrêtez de sans cesse vous comparer aux autres. Alors c'est marrant parce que pour le coup, j'ai l'impression que les trois guides elles se complètent toutes les trois. Mais on est dans cet aspect de se célébrer et de s'aimer. Donc tout simplement, apprenez à vous aimer et dites-vous je t'aime. Hein, c'est pas narcissique. Et puis si vous avez personne dans votre vie, si vous êtes célibataire, et que bah, justement, dites-vous je t'aime. Hein, parce que je t'aime, on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre de sa maman. On a besoin de l'entendre de nos amis, de nos proches. On le dit, alors je sais pas vous, moi je le dis. Mais je le dis aussi à mes animaux. Je le dis à Angel, je le dis à Salem, je le dis à Olympe. Enfin, on a besoin de le dire, on a besoin de l'entendre et on se le dit pas assez aussi. Je pense qu'on en a besoin, donc dites-vous-le, dites-vous je t'aime. Nous avons la numéro 15. Allez, la 15. Qui va nous dire, de même que l'oiseau qui cherche à s'abriter dans la forêt, vous rencontrerez des difficultés et des épreuves. Mais tous vos problèmes prendront fin. Ne cherchez pas à vous venger de ceux qui vous ont fait du mal, ni à vous réconcilier faussement. Contentez-vous de vivre et laisser vivre. En ce qui concerne votre propre sécurité, soyez prudent car il y a des risques d'accident. Les relations d'existence vont se renforcer. D'autres ne tarderont pas à se former. Tout se passera bien dans votre travail. On pourra même vous offrir une promotion. Mais c'est marrant, on parlait de célébration. Vous voyez, et puis la carte de la dague symbolise aussi les blessures, la trahison. Donc on est vraiment... C'est tout à fait cohérent. Là, pour le coup, la baguette, encore une fois, est cohérente avec le reste du tirage. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour lire. Voilà donc les amis qui vient clore cette guidance à trois choix. J'espère vraiment que ça vous aura fait du bien. J'espère aussi que vous aurez pu tirer les messages dont vous aviez besoin. Et pour ma part, j'ai trouvé que ces guidances étaient vraiment sympas et que les messages étaient vraiment sympas aussi. Et que ça colle complètement avec ce dont on a besoin d'entendre en ce moment. Hein. On a besoin un petit peu... d'être pris comme ça dans les bras et d'avoir un peu de douceur, un peu de chaleur, un peu de câlin, parce que c'est un peu raide ce qu'on vit. Toutes ces épreuves-là nous forgent, mais surtout n'oubliez pas les amis que peu importe le choix que vous avez pris, les trois se complétaient super bien, j'ai trouvé, et surtout ça colle bien avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire le fait de se comparer, de savoir qui on est et d'apprendre à s'aimer soi-même. Hein. Vous pourriez même regarder en fait les trois parce que les trois collaient super bien. Voilà donc mes chers amis, je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je compte sur vous vraiment pour travailler tout ce qu'on vient d'évoquer là dans la vidéo. Et en attendant, moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt.